Des assassins, monsieur? Parce qu'il y en a plusieurs? C'est ça. Et vous l'avez appris de la bouche d'un homme crocodile? Il s'appelle Killer Croc. Il est déjà derrière les barreaux. Ouf, je plains son co-détenu. Pas moi. Voyons ce qu'il y a d'autre sur le disque dur du drone. Chacun d'entre eux reçoit une de ces enveloppes. Je veux qu'elle soit livrée, ce soir! Ce sont des tueurs à gages, les meilleurs dans ce domaine. Black Mask a fait les choses en grand. Slade Wilson, Deathstroke, ancien militaire, victime d'une expérience médicale ratée. Ratée, vous dites? Garfield Linz, alias Firefly, brûlé sur 90% de son corps. Son obsession entraînera sa perte. Contrairement à quelqu'un que je connais. Voici un visage que je ne connais pas. Copperhead. Bizarre, ces rapports font référence à un homme, pas une femme. 14 évasions, hein? Eh ben, tu sortiras jamais de... Mais qu'est-ce que... Floyd Lawton, alias Deadshot. On bouge plus. Il est indiqué que c'est un tireur d'élite. Mais comment? Soupçonné de nombreux assassinats majeurs. Dangereux, mais imprudent. Un voyou appelé Lester Bouchinski. Il se fait appeler l'électrocuteur. Quel choc! Shiva. Un talent exceptionnel. Se ferait-il payer pour jouer les tueurs à gages? C'est le directeur Joseph? C'est comme ça que Black Mask est entré à Blackgate. Il utilise la torture pour intimider et pour s'amuser. 8 assassins volent votre peau. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Je vais découvrir qui commandait ce drone. Je vais l'obliger à parler. Ensuite, j'irai rendre visite à Black Mask pour mettre fin à tout ça. Monsieur, je ne fais peut-être que radoter, mais vous savez que vous et moi étant les seules personnes à connaître l'identité de Batman, ces assassins ne pourront pas remplir leur contrat si vous passez la soirée ici. Ils mettraient des innocents en danger pour attirer mon attention. Je ne peux pas prendre ce risque. Et vous croyez que c'est une meilleure idée de sortir et de vous mettre dans leur viseur? Il n'y a qu'une seule personne à Gotham qui puisse mettre la main sur une chose pareille. Le Pingouin. Il est sur la piste de Black Mask. Il devait aller à un rendez-vous avec les hommes du Pingouin à Jezebel Plaza. Je vais les faire parler. Oh yeah, franchement, ça envoie du lourd. Je sais ce que je fais. Au cas où vous changeriez d'avis et décideriez de vous entraîner ce soir, je laisse votre système d'entraînement actif. On va visiter. La patrouille est prête à vous emmener à Jezebel. Point d'amélioration 1. Combat rapproché. Donc après j'ai plus de points et donc je peux pas déverrouiller les trucs. Ok. On va où? Là-bas. Comment elle est classe la Batcave? Y'a rien à dire. Bon. On part en voyage rapide. Monsieur, pour simplifier vos voyages, j'ai installé des points de navigation automatique dans différentes zones de la ville. L'une des destinations prédéfinies devrait vous mener à Jezebel Plaza. Placer marqueur. C'est parti! «
parler là-bas et vérifier ça par vous-même. Compris. Je suis près d'une d'elles. On est les seuls ici. Écoutez, Gotham Optics a reçu un appel disant que la tour déraillait, d'accord ? Putain, c'est fort impressionnant, je trouve. Les effets, je sais pas, j'ai pas joué aux autres Batman, enfin à part le Asylum, Batman Arkham Asylum je crois. Mais j'ai joué vite fait, donc je sais pas s'il y avait tout ça. Vous voulez qu'on parte ? Pas de problème. Laissez-nous filer et on fera comme si rien n'était. Ouais, mais si vous décidez d'en parler à quelqu'un, j'ai envoyé un message au patron pour lui demander quoi faire. J'attends qu'il me réponde. Tu peux pas juste... Mais qu'est-ce que... Chopez les otages! Vous avez vu? Qu'est-ce qui va me faire tranquille? T'as envie de crever ou quoi? Je devrais utiliser mes balles fumigènes. Je vais appuyer cette fois. Je dois me mettre en hauteur à l'abri du danger. Il ne tirera pas s'il ne me voit pas. Si j'attaque de front, c'est le meilleur moyen de me faire tuer et de faire tuer l'otage. Ils ne s'attendent pas à une attaque par au-dessus. C'est toujours comme ça. Ce machin-là est avec vous? Ça va pas? On a juste répondu à un appel, c'est tout! T'as pas intérêt à me mentir! Montrez-vous! On le lâche! Je peux me faufiler jusqu'au preneur d'otages en rampant dans la ventilation. Ouais. Alors on va prendre le grappin, c'était 2. Et on le lance. Je peux ramper dans cette ventilation pour surprendre le preneur d'otages. Le preneur d'otages me verra. À moins que je me faufile derrière lui. Ce conduit me permettra de le surprendre. Mettez-vous à l'abri et appelez la police. Ils voudront voir ce qui se passe ici. D'accord, je m'en charge. Ça devait juste être un dépannage. Je vais le faire, qui que tu sois. Si jamais t'approches, je vais tuer ce mec. Je déconne pas. Ouais, vas-y. Il paraît que ça va t'aider. Hé, Vince. Je m'occupe de ce secteur. Je peux réparer la tour. Tout ce que vous voulez, pitié, me faites pas de mal. Tout ce que je veux, c'est que vous vous mettiez à l'abri. Comment je... Voyons, X. Ok, elle est là-bas. Boum. Le Batman, c'est le gars qui fait aucune victime, quoi. Bon, j'espère que cette fois vous m'entendrez mieux que lors du prochain. Je ne pense pas que les ennuis de cette tour soient dus à l'orage. Je dois installer une scène de crime et découvrir ce qui s'est passé. Je dois commencer par identifier la victime. On va hacker le truc ou quoi? Ah si, il fallait bien appuyer sur un truc. La victime s'appelle David Shannon. C'est un employé de Gotham Optics envoyé pour réparer une tour relais. Mais qu'est-ce qu'il a tué? Je le découvrirai sûrement en analysant l'ADN sur le mur. L'analyse de l'impact indique que la victime a été tuée par une sorte d'explosion provenant de ce panneau d'accès. Je devrais l'analyser pour trouver des indices. Le panneau a été piégé pour exploser lors de l'utilisation d'un pass. Quelqu'un ne voulait pas que cette tour soit réparée.
Et on dirait que cette personne a laissé une série d'empreintes derrière elle. Alfred, je vous transmets des empreintes pour analyse. Communiquez-moi les résultats. Certainement, monsieur, je cherche. Et voilà, elles appartiennent à John F. Becker. C'est un criminel plutôt quelconque, de menu larcin surtout. Sauf que... c'est curieux. Pourquoi ça ? Monsieur Becker est mort, monsieur. Son corps a été retrouvé dans le Diamond District il y a moins d'une heure. On dirait que quelqu'un essaie d'effacer les traces. Je peux contourner le panneau d'accès piégé avec mon séquenceur cryptographique. Mais j'ai besoin des codes de cryptage sur la carte d'accès de la victime. Je devrais la trouver en analysant la scène de crime. On va encore analyser les petits trucs. Attends, comment on rembobine là ? Rembobinage. Voilà, c'est ici qu'il faut aller, j'en suis sûr. Hop. Ah non. Ah bah ouais, j'avais raison. Voilà, mais c'est là, là. Ah bah, il faut que je joue. Cette carte a les codes dont j'ai besoin pour pirater les panneaux d'accès de la tour. Ok, il fallait rester appuyé. Oh punaise, qu'est-ce que je suis nul. Putain, on dirait le Hooper quoi. Il galère sur des trucs ultra simples. Oh là là. Wow, stylé comment il est monté. Alfred, contactez le GCPD. Prévenez-le au sujet du corps. Envoyez-lui aussi les données de mes analyses. Certainement, monsieur. Cela veut dire que vous avez trouvé la source des perturbations ? Je crois, oui. Porte verrouillée. À croire que Batman, il peut pas déverrouiller ça. Ouais. Qu'on se foute pas de ma gorge. On fait encore pirater. Avec Zero. Tiens, tiens, mais c'est le roi des voyous en personne. Je me disais bien que tu finirais par te montrer. Désolé pour le bazar en bas. Qui est là ? Dis-toi juste que je suis un grand mystère. Un grand mystère insoluble. Enigma, alors ? Oh, tu dois te prendre pour un génie. En parlant de génie, écoute ça. J'ai pris le contrôle des tours de ce genre dans toute la ville. Tant qu'elles seront actives, ta Batwing sera inutile. Et on dirait bien que ça va durer. Franchement, celles-ci meurent d'envie d'être désactivées. Mais t'y arriveras même pas. Dommage, mon vieux.
une galère à régler là ou... Tournez doucement jusqu'à ce que les lettres forment un bon mot. Ah, ok, j'ai compris en fait. Mais en fait, j'arrive à décrypter une partie, mais... Ah, c'est... Mais non, mais si, c'était violation interdite. Putain, mais ça me saoule. Ah, non! Ah là, punaise. Ça ne va pas plaire à Black Mask. De quoi est-ce que tu parles? T'aimerais bien savoir. Le brouilleur est hors ligne. Je vais pouvoir passer avec la Batwing. Ces relais font partie du réseau de sécurité distribué. Je me demande ce qu'il protège. Ce doit être ici qu'Enigma s'est installé. Je dois lui rendre une petite visite. D'accord. Je vois que vous avez repris le contrôle de la Batwing. J'imagine que vous allez à Jezebel Plaza? Tout à fait. Mais j'ai aussi une piste sur Enigma. Ne vous en faites pas trop, monsieur. On sait bien que vous finirez par faire... les deux. Ben c'est là. Non? D'accord avec moi, faut aller là où il y a le signe Batman. Et ben ouais... On dirait que je suis arrivé le premier. Je dois trouver un endroit d'où je puisse épier discrètement. Ben les autres sont pas très plus... pas très rapides non plus, hein. Le pingouin. Il sait absolument tout des transactions qui ont lieu dans cette ville. Si quelqu'un sait où se trouve Black Mask et ses assassins, c'est bien lui. Mais le pingouin est dur à trouver. Ces hommes concluent une vente. Je vais les faire parler. Les gars! Eh, les morveux, qu'est-ce que vous voulez pour Noël? Attendez, je le sais déjà. On va voir si vous avez été méchant ou... gentil. Le crétin en Père Noël est sûrement le chef. Le crétin en Père Noël. Où est passé le reste? Eh, on se calme. Quand on traite avec nous, on traite avec le pingouin. Opération sérieuse. Bon, on va y jeter un œil. Coucou les amis. Ça, ça doit faire mal les deux pieds dans la gueule. Oh, attention au sniper. Je vais te faire la peau. On fonce. Ah bah, laissez-moi tranquille. Voilà. Attendez, il y a la technique de super combo. On ne sera pas tous. Quoi, qu'est-ce que... Dimension multi. Passage de bras. Oh, d'où tu me mets un chassette? Tu te drogues, quoi? On n'a pas élevé les chauves-souris ensemble. Attention. Bon, toujours les clics, les clics, hein. Moi je fais pas beaucoup de combos. Oh attends, c'était réalisé. Interrogé. Où est le pingouin? Je ne sais pas. Où est-ce qu'il est? Je
le jure. Non. Vraiment, il a une patate. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lâche-le. Il faut qu'on discute. Où est Cobblepot? Lâche-moi! Si tu insistes. Pitié! Stop! Je vais te parler! Je vais te dire ce que tu veux savoir! Pitié! Arrête! Trop tard. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Le bas de téléphone. Si je peux lire cette carte SIM, je devrais localiser le pingouin. Alfred, j'ai des interférences sur mes systèmes de communication. Ça vient de chez vous? Non, monsieur, je le constate aussi. Ça provient de la tour GCR toute proche. C'est le même signal qui brouille les systèmes de navigation de la Batwing. J'ai indiqué la tour sur votre carte. Je dois arrêter le signal afin de pister le pingouin. Ouais, c'est parti pour j'ai galérer. J'ai plusieurs appels disponibles. Je les envoie par ordre de priorité. Mon pote m'a montré comment péter les distributeurs. Je vais essayer de m'en souvenir. Pour l'instant, je suis content d'avoir du boulot. Mais tu trouves pas ça étrange? On n'a jamais vu ce mec, ni entendu sa voix. On se passe juste des messages. Coco, on parlait de moi? Quand on parle du... de la chauve-souris, arrive. Alors on va tenter le... The Monster Kill. Allez. Oh, mais... Quelqu'un peut faire quelque chose? Hey, multi-combo là. Arrive pas à faire des combos. Jetez-le. On peut pas envoyer un ennemi sur nous. Attention! Olé, cette esquive elle est magnifique. Olé! Je suis à 7, 8, 3, plus de combo. Élimination de combo. Ah non, t'as cassé mon combo toi. Il faut qu'on batte ce type! Est-ce que je vais mourir? Brrrah! Coup dans les côtes. Tiens, tiens, voyez qui est là. Tu as vraiment décidé de m'affronter? Alors remue-toi. J'ai tellement hâte de te voir échouer. Mais arrête. T'as un million d'équipements et t'arrives même pas à... Oups, mauvais côté. Ah ok, c'est à moi de contrôler le truc. Quel débile. Donc voilà, on va reprendre où on en était. Bon, je vais faire plusieurs coupures parce que franchement c'est un peu inintéressant. Tu sais, si tu l'avais demandé gentiment, je l'aurais ouverte pour toi. Bon, on va devoir hacker le système. On appuie sur 0. Et c'est parti. Voilà. Oh non! Mais, franchement, le système de hack, je comprends pas. Mes félicitations, Batman. Tu n'es peut-être pas aussi débile qu'on me l'a fait croire. Pourquoi est-ce que tu fais ça, Enigma? T'es direct? Ça me plaît. Je vais te dire. Gotham est souillé.
rempli de brutes qui contrôlent la ville par la violence et l'intimidation. Tu n'as pas répondu à ma question. Parce que tu m'as coupé la parole. Je veux me débarrasser de Batman, dans le but d'améliorer la morale et le QI dans Gotham. Je ne suis pas un voyou comme toi. Mon style est un peu plus raffiné. Ce que tu fais n'est rien d'autre que du vol. Il n'y a rien de raffiné dans tout ça. Ta réponse est aussi prévisible que banale. Au revoir. 5000 XP. Yeah. Je peux accéder à la carte SIM que j'ai prise au vendeur d'armes et pirater les communications du pingouin. Le pingouin a mal digéré que l'accord soit tombé à l'eau. Ouais, si j'étais impliqué là-dedans, je serais déjà loin de la ville. Alfred, je capte un signal des hommes du pingouin. Mais il n'est associé à aucune fréquence sans fil connue. En effet, je le vois ici. On dirait que le pingouin gère son propre réseau sans fil à l'aide de transmetteurs sur des ordinateurs portables qui servent de bornes. Il donne les fréquences à ses hommes via une radio bi-bande. Il y a deux stations de ce type près de votre position. Bien, indiquez-les sur ma carte. Si je peux trouver ces Tokiwoki et les pirater, je pourrai repérer la position du pingouin. Mal au ventre. T'aurais pas dû bouffer ces machins dans la poubelle. Je t'ai dit que ça chlinguait. Mais je suis censé faire quoi alors? Crever de faim? T'aurais dû le faire cuire avant. Ça bougit, les microbes. Ah ouais. J'aurais dû utiliser les barbecues qu'on trouve à tous les coins de rue. Ou peut-être le four hyper moderne dans mon manoir. Ouais, j'aurais dû faire ça. Hé, t'as posé une question. J'ai fait que très pauvre. Ils ont vraiment l'air sur le qui-vive ce soir. Je me demande pourquoi. Il paraît qu'ils ont perdu leur patron. Ils commençaient son... Lob, une ordure. J'espère que c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu te souviens pas du nettoyage? Ça doit être trop vieux pour moi. Ils nous mettaient dans des bus et nous envoyaient à la frontière du comté. C'est moche. C'est Lob. Déchirerai tout au boiler deck l'an prochain. J'ai commencé à me renseigner sur les cours d'autodéfense. Autodéfense? C'est quoi ce machin? Pas vu. Technique d'arts martiaux pour se défendre contre un agresseur. Défendre? Il va rester planté là à défendre. Qu'est-ce que t'as? Ouais. Je me sens... Allez. Et on n'est pas content. Phyrax. J'adore le... Je vais te faire mal. On dirait que le Père Noël... Bienvenue à la fête. Je peux pas t'encadrer. T'es sérieux, toi? Bébé. Qu'est-ce que je dois faire? C'est ici. Ah ouais, c'est ici. Batman, tu t'attends à ce que je gobe ça? Je dois trouver la prochaine station de communication. Ensuite, je pourrai trouver la position du pingouin. De gêner notre livraison. Par exemple, sauver sa peau. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'ajouter? Améliorer. En fait, je m'améliore, mais... Alors, la
prochaine fois que tu veux raconter des conneries, trouve quelqu'un d'encore plus débile que toi. Oh, attends, c'est vrai. Il n'y a personne qui soit plus débile que toi. Monsieur Cobblepot, je vous jure que c'était Batman. Il a lâché Ricky depuis le toit de l'horloge, en plein sur le sapin de Noël. Je me fous de savoir ce que tu crois avoir vu. Si tu n'es pas de retour avec mon fric dans les 10 minutes, je vais t'arracher les yeux. Comme ça, tu te soucieras plus de ce que tu vois. C'est compris? Oui, monsieur Cobblepot. Désolé, monsieur Cobblepot. Putain, la neige, elle est magnifiquement bien faite, quoi. Elle fait de marcher et tout. Plouf, dans l'eau. Alors, on va là. J'ai besoin de n'importe quelle unité disponible pour une mission spéciale. Attendez. T'as entendu pour le patron et... tu sais... Non, je sais pas. À gauche, la chauve-souris. Qu'est-ce qu'il a, ce cinglé? Les autres gars racontent qu'ils posent des questions sur Cobblepot. On a un souci. J'ai bien envie de m'inscrire au combat du Power Deck. Tu tiendras pas 5 minutes. Je me suis entraîné, j'ai soulevé des haltères, tout ça. Ah ouais? On dirait pas. Ah, parce que toi t'es plus costaud. J'ai jamais dit ça. Tu verras, je vais devenir le roi du ring. Et tu vas regretter ce que t'as dit. Pas question que je rate ton combat ce soir. On verra bien qui regrettera. Le patron est trop bizarre depuis quelques temps. Ça sent les problèmes. Je vais le coincer, saligo. Mais qu'est-ce que... Ça va te péter. Voilà. Et merde, je l'ai trouvé. Brrr. Ce soir à Jezebel Plaza. Te voilà. Mais pour vous montrer que je suis sympa, je n'annulerai rien. Alors montez à bord tout de suite si ça vous intéresse. Est-ce que c'est clair? Le pingouin se cachait sur ce vieux navire. Pas étonnant qu'il soit difficile à trouver. Putain, mais non, mais c'est... Ça m'énerve quand deux personnages parlent en même temps. Voilà, petit point noir.